Merci. J'appelle la nation classée 23e, la Nouvelle-Zélande, en tant que déverger de... Merci, bravo à la Chancel qui accède à la promotion de première division. C'est une félicitation, les gars. La Nouvelle-Zélande en tente d'héberger, 23e, bravo les gars. Club cher à mon ami François Leclerc, merci, pareil, très fidèle au fil des années, merci. Merci les gars, j'appelle le Portugal, qu'on a deux, classé 22e. La Suisse, 21e, Notre-Dame de Saint-Niaco. Pareil, ça fait partie des fidèles qui sont là depuis la création. Merci au club de Notre-Dame. Merci les gars de combat. Classé 20e, ils n'ont malheureusement pas pu rester pour la cérémonie. Ils avaient un peu de trajet, voilà l'équipe de Tocani Mince avec le Cameroun, on peut les applaudir quand même. Ils ont fini 20e. Classé 19e, l'équipe de France, équipe de combat 1. Classé 18e, la Russie avec Tenon. Septième vainqueur du troisième tableau, la complémentaire Chamier 3 avec la Corée du Sud. La Corée du Sud vainqueur du troisième tableau, Chamier 3. J'appelle le Ghana avec Boulazac et je voulais faire une petite aussi attention à Boulazac qui est venu quand même avec quelques moins de 11. C'était à signaler, donc une catégorie en dessous, il s'était quelques-uns, on finissait à la 16e place, c'est une très belle performance, félicitations les gars. 16e, le Ghana avec Boulazac. Les États-Unis avec Saint-Thierrier. Bravo à Saint-Thierrier avec les États-Unis, 15e place. J'appelle
également des clubs très fidèles depuis la première année, avec deux équipes à chaque Mondialito, le Mexique, puis Glorieux 2, 14e. L'équipe d'Uruguay à la 13e place, USAC, hop. Place nos voisins de Montignac avec la Suède. Chance Vinel avec le Nigeria. Ils ont tombé les couleurs, ça a eu les liens, ils étaient bien aiguisés. Bon, aujourd'hui, ça piquait peut-être un peu. Félicitations au Nigeria, 11e place, équipe de Chance Vinel. J'appelle le finaliste du deuxième tableau, la Belgique avec Chamier. Vainqueur du deuxième tableau, l'Irlande, encore Chamier, ils ont fait le plein cette année, le deuxième tableau, bravo les gars. L'Irlande, 9e. Dans les 8 derniers, donc ceux qui se sont battus pour le Mondialito, le Brésil avec USAC. Allez, et un petit clin d'œil à Élise qui devrait, voilà, peut-être faire son dernier match avec USAC. Merci pour elle, c'est bien. Enchaîne avec l'Argentine, Limoges, c'était son dernier Mondialito. Mon ami David Chayras, merci pour ta fidélité. Ils ont été costauds, ils ont fait un très bon tournoi.
à limite pas prendre de but jusqu'au quart de finale. Mais voilà, il y avait du lourd cette année, il y avait du lourd. Limoges avec l'Argentine, 7e. Sixième, la Côte d'Ivoire avec Mouliez, les Côtes de Castillon. Cher également mon ami Pascal Locatelli. Classé 5e, Notre-Dame de Sanilhac avec l'Italie. Quatrième, l'Entente des Vergers avec les Pays-Bas. Bravo à eux. Très belle performance, 4e du Mondialito, bravo. J'appelle à la 3e place également les fidèles, je confirme, avec l'Entente Prigorieux-Saint-Pierre-des-Rois avec l'Allemagne, 3e du Mondialito. De Prigorieux-Saint-Pierre avec l'Allemagne, 3e. C'était le malheureux finaliste de l'an passé contre Saint-André de Cubzac. On arrive sur les finalistes. Très beau finaliste, très belle équipe, voilà, avec un très bon club, très formateur d'ailleurs, mais voilà, Maxence en sort, voilà, avec le club de Trélissac avec l'Angleterre. Très bon tournoi. Merci également à leurs éducateurs. Merci Carlos, merci beaucoup. Accueillir le vainqueur du Mondialito 2016. On va accueillir, et je vais laisser aussi la parole également à M. le maire et à Mme Anglard qui veulent dire un petit mot. On va accueillir aussi des personnes incontournables et très importantes. Messieurs les arbitres, je vous demande de vous approcher vers la tribune. Merci pour tout. Vous avez été énorme pendant 2 jours. Tout le monde, je pense. Voilà, merci Adrien, premier Mondialito, merci beaucoup. José Da Silva, Arnal, impeccable, Monsieur Savary, Monsieur Chartrain, Monsieur Mortassagne,
et messieurs Raphaël et Seb Mafioletti, bravo à eux. Ça n'a pas été évident, ça a été un rythme quand même assez soutenu. Bravo les gars. Voilà, je vais passer la parole à Madame Anglard. Merci. Merci Thomas. Donc je voulais vraiment féliciter tous les compétiteurs, tous les dirigeants, tous ceux qui ont participé à la réussite de cette très 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 belle journée. Bravo à tous et surtout bravo au club de Conda, parce que quand on sait tout ce qu'il faut comme petite main, comme petite chose qui se rajoute et qui font qu'une journée est aussi bien réussie et aussi belle. Vraiment, bravo à tous. Alors, je voulais aussi féliciter le club de Conda parce que je pense qu'il est remarquable à bien des titres. Il est remarquable d'abord par le nombre de ses adhérents, de ses joueurs, du nombre d'équipes. Il est aussi remarquable par le fait de la mutualisation des terrains avec Colly, et c'est vraiment un travail sur le territoire et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut vraiment que nous allions. Et je voudrais aussi souligner, et c'est pas dans tous les clubs que l'on retrouve, je voudrais souligner la présence d'une équipe féminine. Voilà, bravo vraiment à tous. Le président Germinal Perrault, dont vous connaissez l'attachement à tout ce qui est sport, vous me prie de vous transmettre toutes ces félicitations pour cette belle journée sous le soleil en plus. Bravo. Merci beaucoup. Bon, alors tout a été dit, donc là je ne sais pas ce que je vais pouvoir rajouter, si ce n'est que je remercie tous les bénévoles du club de Conda qui ont œuvré pendant ces deux jours, et c'est une réussite, bon, comme chaque année, mais là c'est, moi je vous félicite parce que c'est un rassemblement, on voit des jeunes qui prennent plaisir à jouer au foot. Et ça, c'est important parce que votre club, il y a un esprit de, on va dire, de convivialité aussi. C'est une école de la vie où on apprend à se respecter. Et, pardon. Et ça change par rapport à ce qu'on voit se développer dans la société. Donc, très franchement, je vous soutiens. Je soutiens le club et je vous félicite vraiment sincèrement. Après, le président qui est là, on ne le voit pas trop, mais c'est pareil, il a su s'entourer d'une équipe performante, et je vous félicite. C'est vrai aussi, ce club de filles, cette équipe des filles qui arrive, mais la commune de Conda a décidé donc d'agrandir le clubhouse et les vestiaires, notamment à destination des filles, pour qu'elles puissent participer à ce club, à la vie de ce club qui est très énergique, et je suis très fier d'avoir ce club sur la commune de Conda. Voilà. Donc j'espère que vous avez tous pris du plaisir. Merci Thomas et merci à tous ces bénévoles. Je vais venir vous saluer. Et une belle subvention, monsieur le maire. Serge, tu veux parler, Serge ? Serge. Donc on va procéder avant d'appeler Saint-André, donc officiellement remercier tous les bénévoles. Bah écoutez, voilà, certains sont partis, à très vite, et voilà, je vous demande d'accueillir, peut-être pour quelques secondes, pardon à l'équipe de Saint-André de Cubzac, vous n'êtes pas d'ici, c'est vrai. Ah mais on vous garde, allez, on reste là jusqu'à demain. Et pendant ce temps-là, je profite de faire un petit clin d'œil à Chloé, qui
qui est ici parmi nous et qui va quitter le club de Conda apparemment. Donc voilà pour un déménagement. Voilà Chloé. À très bientôt et merci d'être passé par Conda en tout cas. Donc, le vainqueur du Mondialito 2016. Merci José, encore une fois, tu vas repartir avec le trophée. Il va falloir pousser les murs à Saint-André. Sinon, tu peux le laisser ici si tu veux. Il n'y a pas de problème. Non, bon, j'ai compris. Allez, j'appelle le vainqueur du Mondialito 2016, équipe de Saint-André de Cubzac. Très beau vainqueur avec l'Espagne. Bravo à eux. Je pense que c'est mérité. Très très belle équipe, très costaud. Allez-y les gars, c'est à vous. C'est sûr, cette belle image.